Et à présent, nous allons passer à la phase de test et nous allons voir si cette machine fonctionne bel et bien. Vous voyez comment ça roule? Donc, pas besoin de se tracasser. Bonjour et bienvenue sur AgriTuto TV. Alors, tout récemment, nous avons lancé une entreprise dénommée MBAP. Entreprise qui fait dans la production et la distribution de la viande. Viande qui est, je le rappelle ici, 100% halal pour ce qui est du poulet et du lapin. Nous faisons également dans des produits tels que le porc et le poisson silure. Alors, si vous êtes un habitant de la ville de Yaoundé et ses environs, n'hésitez pas à passer votre commande au numéro qui s'affiche juste là. Vous serez livré gratuitement. Alors, notre entreprise a été lancée il y a à peine un mois. Et déjà, nous sommes submergés par les commandes, notamment les commandes de poulet. Donc, du coup, nous avons décidé de faire venir de la Chine cet appareil. L'appareil qui se trouve dans ce carton, qui n'est rien d'autre qu'une plumeuse. Pour nous permettre, n'est-ce pas, d'aller plus vite. Et avec cet appareil, vous pourrez désormais passer votre commande à 12h et être livré à 12h15. Alors avant de déballer cette caisse, je tiens à rappeler à tous ceux qui veulent faire venir un équipement agricole au Cameroun, quel qu'il soit, plumeuse, granuleuse, tracteur et j'en passe, que vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche juste là et nous allons vous aider à entrer en possession du matériel qui vous manque, n'est-ce pas, pour faire passer votre production à un autre niveau. Alors, trêve de bavardage, nous allons ouvrir notre caisse très rapidement. Alors, nous allons ouvrir ça comme ça. Alors, vous voyez comment c'est bien emballé. Voilà. Alors, ces trucs-ci sont appelés les doigts. Vous voyez, on appelle ça les doigts. Et c'est ce qui permet, n'est-ce pas, d'arracher les plumes du poulet une fois qu'il est à l'intérieur. Et vous voyez cette zone-ci qui est ouverte là. Là, c'est par là que les plumes passent et ressortent par le bas. Donc, on va finir d'ouvrir la caisse pour que tout un chacun puisse, n'est-ce pas, mieux apprécier cela. Alors, vous voyez, le truc a des roues. On va le sortir. Voilà. Alors, observez ce chef-d'œuvre. N'est-ce pas magnifique? Alors, petite présentation vite fait. Vous voyez cette entrée-ci? C'est par là que les plumes, n'est-ce pas, des poulets ressortent. Vous voyez? Et puis, par derrière, on a les boutons d'allumage là. Vous voyez, très bien protégé par une gaine en plastique. Ok. Vous voyez? Là, on a le câble. Et de ce côté, vous voyez là? Là, on a l'entrée pour le tuyau. Ça veut dire que vous pouvez brancher un tuyau là et vous connecter directement sur un robinet. Ça fait donc que lorsque votre poulet est à l'intérieur en train de tourner, l'eau ressort de partout là pour rincer le poulet directement. Là, on a des manches si vous voulez transporter. Si vous êtes deux, il y en a un encore de ce côté. Voilà. Bien, à présent, nous allons passer à la phase de test et nous allons voir si cette machine fonctionne bel et bien. Vous voyez comment ça roule, donc pas besoin de se tracasser. Notre eau est feu, vous voyez. Donc, une fois que notre eau bout déjà bien, on va d'abord réduire le feu. Bien sûr, il y a une température, n'est-ce pas, adéquate qui permet que la peau du poulet ne s'arrache pas, vous voyez. Donc, dans les prochains épisodes, je vais certainement vous la communiquer. Pour l'instant, j'ai pas encore de thermomètre. Alors, je vais commencer par tremper mon poulet. On commence par tremper les pattes. Vous voyez. Voilà. Une fois que nous avons bien trempé notre poulet, nous allons le balancer dans notre appareil. Voilà. Et puis, on va allumer. Alors, pour le tuyau, je n'ai pas trouvé un tuyau adapté, n'est-ce pas, pour ici. Donc, je vais utiliser ce petit arrosoir de 3 litres.
Là, on va allumer une autre machine. Et on baisse de l'eau. Voilà notre poulet plumé. Vous voyez les pattes. Vous voyez comme il est tout propre. C'est vrai, il y a un petit travail de finition, n'est-ce pas, à faire encore là. Par exemple, sur les ailes aussi. Mais vous voyez que c'est propre. Regardez les pattes. C'est propre. Et j'ai rappelé ici que cette machine a une capacité, n'est-ce pas, de plumaison de 1 à 5 poulets par minute. Donc, vous pouvez mettre 5 poulets d'un coup et ça fait le travail. Et à présent, nous allons faire un autre test. Voilà. Ouais. Celui-ci est bien propre. La peau ne s'est pas arrachée. Et là, on fait juste le travail de finition. Alors les amis, une fois que vous avez fini de plumer votre poulet, la dernière étape cruciale, c'est de nettoyer sa machine, ok? Parce que si vous laissez votre machine comme ça, avec du sang, des plumes et tout ça là, elle ne fera pas long feu, ok? Donc vous nettoyez bien votre machine, et puis vous la mettez un peu au soleil, quoi, vous voyez? Déjà, le soleil frappe légèrement dessus, de façon à ce que ça sèche un peu. C'est vrai, c'est de l'acier inoxydable, ou du moins, je parle de l'aluminium, autant pour moi. Ça ne peut pas rouiller, mais ça n'exclut pas qu'il faut nettoyer. Donc, vous retirez, vous envoyez la main là, vous retirez, n'est-ce pas, les restes de plumes qui n'ont pas pu descendre. Voilà, vous faites sortir ça comme ça. Et puis, vous pouvez verser l'eau à l'intérieur encore. Hein. Vous versez l'eau à l'intérieur pour déloger, n'est-ce pas, tout ce restant de plumes là. Voilà. Bien, après nettoyage et emballage, voilà le produit que l'on obtient. Produit que vous pouvez commander en contactant le numéro qui s'affiche juste là. Et je tiens à signaler que le produit n'est disponible que pour les populations de Yaoundé. Mais très bientôt, nous serons basés également à Douala et à Bafoussam. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille.